tout ce qui s'appelle baguette de tradition, tout ça c'est quand même un peu du flan. La baguette n'a jamais été un produit de tradition. La baguette est un produit qui est né de l'ère industrielle pour répondre aux besoins ouvriers de la consommation. Il n'y a pas de cantine, il n'y a rien dans les usines. Donc on prend la baguette en partant travailler à 6 heures. On reprend une baguette à midi pour le casse-croûte de midi et on rachète une baguette le soir pour rentrer à la maison. Soit on la fait acheter par les enfants. C'était ça l'histoire de la baguette. Donc aujourd'hui, la baguette dite de tradition n'existe pas. C'est un terme marketing pour vendre un produit plus cher, mais ça n'existe pas. Et il faudrait refaire de la baguette comme elle était faite à une époque, avec par contre un très bon sourcing de farine, une très bonne farine, mais une baguette à une durée de vie de 2 heures. Le pain de tradition, eh bien, si on parle de pain de tradition ou de bon pain, eh bien, il faut quand même accepter qu'il y ait un certain savoir-faire au niveau du façonnage, au niveau du travail sur la fermentation. Et le fait de découper du pain, de la pâte qui a fermenté, de la mettre au four avec une grande couche de farine pour que ça ait l'air rustique,